et les logements seront prolongés du fait des nouveaux calendriers. La ministre qui est repartie. Vous êtes sur France Musique, grand compositeur. La navette américaine devra se placer non pas en orbite basse, là où se trouve la Station Spatiale Internationale, mais sur une orbite près de deux fois plus élevée, précisément à 563 km de la Terre, à l'endroit où évolue Hubble. Cette zone est relativement sur TSF Jazz. C'est l'heure d'accueillir Nathalie Piollet, elle vous accompagne. Sur sa visite, les questions de la paix au Proche-Orient est venue en seconde partie de son discours, un discours classique, déjà maintes fois malheureusement entendu, demandant aux responsables. Une fois sélectionnés, ils répondront à un questionnaire sur leur alimentation. On a déjà un certain nombre de connaissances, par exemple sur le bénéfice des fruits et légumes, mais il faut affiner ces connaissances sur les liens entre alimentation et santé. Professeur Serge Herbert, directeur... J'avais des bleus aux pieds lorsque je me suis levée ce matin. À la radio, des gens racontaient des histoires de gens. Dehors, il y avait du bruit. Une petite fille faisait. La terre roulait à l'envers de moi, comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait rien de plus naturel que d'avancer. Il y a des gens qui tournent autour du pot et qui ne peuvent pas aller au centre, au centre des choses, au centre d'eux-mêmes. Ils tournent autour d'eux-mêmes. Parfois, ils prennent toute leur vie, c'est de tourner autour. La psychanalyse essaye de faire ce travail-là, d'accepter d'aller à l'essentiel et plus tourner autour ou bien... tout le temps partir ou quitter ou jamais s'enraciner. Est-ce que vous pourriez me raconter mon histoire en regardant mes pieds? Parce que je cherche cette histoire-là. J'ai l'impression d'avoir un pied fantôme, vous voyez, un pied fantôme. Ah oui. Ah ben ça, j'ai marché en Afrique aussi. J'ai marché dans le désert du Niger. Et ça, c'était une expérience formidable. Et j'ai marché, j'étais le moins rapide de tout le groupe. Et à un moment donné, j'en pouvais plus. On allait vers une oasis et j'étais... c'était avec des Touaregs. Et le chef de Touareg, à un moment donné, je le trouve, il était assis, il m'attendait. Et quand je suis arrivée, il a pris mon sac à dos et on a marché ensemble. Il a chanté. Il ne m'a pas dit un mot. Il a chanté. Et je pense que c'était un chant un lullaby, enfin un chant qu'on chante aux enfants. Et on marchait comme ça. Venez, comme ça. Comme ça, on marchait ensemble. Et j'étais plus fatiguée du tout. C'est ce qu'on fait en analyse. J'invite les gens à mettre le gros sac qu'ils ont sur le dos, parfois c'est énorme, qu'ils le mettent là, sur le tapis, qu'on l'ouvre ensemble, parce que souvent le sac qu'on porte, on n'ose pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est tout ce qu'on a mis depuis toujours, et puis on a bouclé, on a fermé, ça n'existe pas, on le met dans le sac. Sauf que le sac devient de plus en plus lourd et ça nous empêche de marcher. Kishkende, notkende, shimara von vacholva. Mindane, charkaba, babam neve von varva. Az egyik szőke, a másik barna, a harmadik csodaszép. Megállj te csodaszép.
c'est mal de cette belle. J'ai rêvé d'un bateau, avec dedans des milliers de bouts d'hommes. Ils ressemblaient à des cuillères, ces hommes. Ils rampaient. On aurait dit qu'ils n'avaient plus de pieds. Plus tard, un petit livre disait que chaque esclave qui s'enfuira de l'habitation sera châtié. On lui sectionnera le jarret. J'ai vu des nègres pendus à des arbres, des cadavres étranges et dont les pieds ne touchaient plus le sol. J'ai vu des mains prendre mes pieds pour en faire des fers, des cannes à sucre, des claquettes. J'ai vu mes pieds, je les ai vus, mes pieds, emboîter le pas de ceux qui marchent la mer, le désert, les frontières. Longtemps, je n'ai pas supporté mes pieds. Tu n'as rien ici à foutre. Moi, je travaille pas. Cet homme-là travaille pas. Qu'est-ce qu'on fait ici? On est des pêcheurs. La mer n'a rien. Mais comment on va? Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Il y a 45 personnes qui font des ventures. Nous sommes des Tawa. Madame est la plus grande distance entre Libya et... Si Dieu dit que nous allons... Alors déjà, dans les différences, ce qui est intéressant dans vos pieds, hein, c'est que le pied droit, enfin, il y a cet œil de perdrix, hein, l'alus valgus, beaucoup plus important que l'autre côté. Hein. Déjà, donc, il y a quelque chose... Alors, c'est, en plus, c'est le trajet du méridien de la rate. Hein. Donc, on sent que dans le féminin, hein, dans le féminin, peut-être dans le féminin familial, chez la mère, la grand-mère, hein, peut-être une problématique de devoir, par exemple, assez forte, hein, ou même peut-être de sacrifice. Ça, c'est ce qui saute aux yeux. Moi, j'aime bien voir déjà qu'est-ce qui apparaît en premier. Alors, c'est un pied qui, effectivement, il manque d'épanouissement. Il n'est pas assez volubile, il n'est pas assez bavard. Hein, il a tendance à se cacher un petit peu. Hein, donc il faut qu'il s'assouplisse. Il faut le travailler. Voilà, là, on sent bien le trajet de la rate. Hein, celle du rein aussi. Il y a des peurs. Certainement, il y a des peurs. Il y a des peurs qui viennent de loin.
Là, il y a quelque chose aussi hein, dans ces stries comme ça qui passent. Donc ça, c'est le trajet de l'estomac. Hein. La gestion des choses, peut-être une difficulté à gérer, hein. Gérer le matériel. Hein. Et puis, bon, il faut que le pied s'enracine aussi. Hein. Tout le bas du corps, en fait, c'est comme les racines d'un arbre ou d'une plante. Et il faut aller puiser l'eau, le pied va chercher l'eau au fond du sol. Ma mère frottait toujours ses pieds. Elle faisait comme l'on fait avec les mains. Chaque soir, je l'ai vue qui frottait. Ma mère nettoyait les couloirs d'un grand hôpital français. Je ne sais pas à quoi ressemblent ses pieds aujourd'hui. Je me demande si je pourrais les reconnaître. Les pieds, en changeant de vie, ne laissent que des traces. Il paraît que c'est ici que je suis née. Là-haut, dans cet appartement où mon père fait semblant de me jeter par la fenêtre. C'est dimanche. Il y a des gens à la maison. Beaucoup de pieds. Beaucoup de rires. Et puis c'est lundi et mes peurs. J'ai peur de sortir. Dans la rue, j'apprends à marcher tête baissée. Je deviens une jeune fille immobile. J'ai des milliers de fourmis aux pieds. Tiens, j'avais oublié l'école. Et la Jeanne, là. C'est drôle, oui, de revenir. Quand je suis parti en France, par avion, c'était Colombie à l'époque. Donc il n'y avait que le bateau Colombie. C'était l'un des derniers voyages qu'il a fait, Colombie. Bon, puis ils nous ont déposé au Havre. Là, on était perdus avec des cheminées qu'on voyait la fumée qui sortait par où on disait, qu'est-ce qu'il y avait comme boulanger? Mais oui, qu'il y avait, pour moi, la Martinique, qui était la boulangerie, c'était la fumée. Et puis toutes les maisons avaient des tuyaux partout. On disait, mais qu'est-ce qu'il y a comme boulangerie ici? Et puis après, on a dit, non, c'est pour l'hiver, c'est les cheminées pour l'hiver. Et puis là, on a pris le train au Havre, qui nous a déposé à Kinankou. À Kinankou, pour, je ne sais pas combien de heures, je ne savais pas, il y avait au moins 2 heures de voyage, tu savais, on ne connaissait pas avant. Et puis là, à Kinankou, le soir, il était vers 7 heures, on était à 4 collègues.
ils nous ont largués à Kinankou pour aller prendre le train Austerlitz. Ah là 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 là, la galère. Le métro, on se trompait par là, on demandait par là, tout le monde. Ah, nous, c'était vraiment, on était vraiment déçus. On dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait là? On prenait le métro, on sortait par là, on ressortait. Et puis après, on demandait. Et puis enfin, on est arrivé à Austerlitz. Austerlitz, et puis on a pris le train. Et sans arrêt, le train qui va, il va directement à Clermont-Ferrand. Alors, en prenant le train, pendant de 9h jusqu'à 1h du matin, on était debout dans le train. Par peur de ne pas perdre. Alors, on est à 4 et puis non, on rigolait quand même. Et puis après, il y a un bonhomme qui passe avec sa casquette, on ne savait, on ne connaissait pas le matin. Et puis on a demandé, mais monsieur, à quelle heure il arrive le train à Clermont-Ferrand? Et le train a dit, ah, monsieur, vous voulez vous dormir? Parce que c'est terminus. J'ai dit, c'est pas vrai. Il m'a dit, ah ouais, c'est toute la nuit que vous voyagez en train. C'est lorsque ma mère est partie que mon père s'est mis à parler. Avant, il travaille tard, marche beaucoup, vit lourd. Avant, je le questionne longtemps pour qu'il me raconte un peu. C'est quand mon père a cessé de jobber qu'il a compris qu'il ne rentrerait plus. En fait, tu vois, là, je marche ici. On est déjà venu ici quand j'étais petite. Oui, si, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est pas ma terre. Tu vois, je me demande où est ma terre. Quand je vais aux Antilles, j'ai l'impression que c'est pas mon pays. Je comprends pas la mentalité. La culture, je la connais, mais vraiment de loin. Tu parles de la Martinique. De la Martinique, mais de la France, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression d'être comme cet arbre-là planté quelque part. Oui, oui, parce que c'est les années qui font ça. Les années passent. Et puis on oublie vite, quoi. Donc tu as fait tes écoles à Grandvilliers, mais ça fait combien d'années? Et tout a changé, bon, tu as voyagé, tu as vu autre chose, tu as oublié où tu as fait tes études. Je pense que c'est ça, quoi. Ça vient de là, sûrement. Tu crois que c'est une question de mémoire, hein? Oui, peut-être pas de mémoire, ça dit que... Oui, enfin oui, ça vient de la mémoire, parce qu'on oublie très vite ce qu'on a fait quand on était petit. On dit, bon, ben, ça c'est du passé. Et puis un jour, peut-être quelques années plus tard, tu reviens au départ, à la case de départ. Tu dis, mais effectivement, j'étais ici, je n'ai pas beaucoup de souvenirs ici. Et pourtant, c'est là que tu as fait au moins 6, 7, 8 ans. Et puis là, tu n'as pas beaucoup de souvenirs, quoi. Mais toi, quand on était petite, tu nous as toujours appris qu'ici, c'était chez nous. Eh bien oui, mais oui, j'ai toujours appris que c'est chez nous, parce que vous êtes nés ici. Vous ne connaissez pas la Martinique. Moi, je connais la Martinique parce que je suis né en Martinique. Mais vous ne connaissez pas la Martinique, alors vous ne pouvez pas dire que la Martinique, c'est chez vous. Parce que vous avez grandi ici, les études grandissent ici, tout. Donc pour toi, je ne devrais pas avoir autant de problèmes d'intégration, je devrais être bien ici. T'as dit que oui, voilà, mais bon, c'est pas toujours évident, quoi. C'est jamais évident. Tu peux être bien intégré, si tu es mal vu, tu es bien intégré. Oui. Il y a un petit chemin, on dirait, là. Un chemin? Oui. Ah oui, mais c'est sûr, il y a des traces ici, il y a des voitures. Et des voitures qui passent là, hein. Enfin, des tracteurs, quoi. Voilà.
On dit que nous portons les pieds de nos parents, qu'ils nous transmettent un peu de leur endurance et de leur fragilité, de leur peur comme de leurs élans. Tandis que je songe aux gros orteils de mon père, je me demande s'il est vrai que nos pieds se ressemblent. Je m'interroge sur cette part de lui que je porte en moi. Est-ce parce que mon père habite encore mes pieds que je n'ai toujours pas pu m'arrimer à une terre? T'aimerais bien voyager? Ah ben oui. T'aimerais bien aller où? Au l'Amérique, par exemple. Qu'est-ce que tu irais faire alors en Amérique? Pour découvrir les Américains, quoi, et le pays. Non, quand j'étais jeune, bon, je pensais pas, mais je pensais être parti comme aventurier n'importe où, quoi. J'imaginais un jour peut-être jouer Cowboy John Wayne, par exemple, et McQueen, comme ça s'appelle encore, Billy the Kid, et Kit Carson. J'avais toujours rêvé ça, quoi, d'être acteur, parce que quand j'étais jeune, même dans le bois, dans le quartier, on jouait au cowboy avec un peu de bout de bois qui représentait un revolver. On prenait un bout de planche et puis on faisait un son de revolver et puis tout le monde criait haut les mains et puis on montait à cheval. Vraiment, c'était le rêve de tous les jeunes du quartier. Et puis en fait, au lieu de ça, tu as fait facteur. Eh oui, finalement. C'est une aventure. L'aventure est terminée comme facteur, quoi. Homme de lettres. On peut dire ça comme ça. Homme de lettres. Eh oui. Mon père s'est tu, la vieille ville s'efface, et je reprends ma route sans la demander. Mes pieds ne me voient plus, mes pieds ne se rappellent plus. Le jour m'aveugle, mais je marche.